Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo comment recharger votre base Navigo, base Easy sur l'application RATP. D'où ça c'est fini pour les utilisateurs d'iPhone de faire la queue pour recharger votre base Navigo en début de mois. Depuis peu, l'application l'Île-de-France Mobilité vous permet de recharger votre base Navigo et Navigo Easy. Maintenant, dans l'application RATP, est également possible pour vous de recharger votre base Navigo et Navigo Easy. Je vais vous montrer comment procéder. Tout d'abord, il faut ouvrir l'application RATP. Voilà, cliquez sur en bas à droite, titre, lire mon passe. Donc vous mettez sur le dos, scanner. Là, vous pouvez mettre votre passe à côté. Donc là, il s'agit d'un Navigo annuel. Et maintenant, j'ai suspendu le forfait. Donc là, j'ai envie d'acheter. Donc ici, ils m'ont proposé d'acheter forfait Navigo jour, semaine, mois ou jeune week-end. Voilà. Ça, c'est les quatre options que je peux l'avoir sur mon passe Navigo annuel. Après, on va regarder s'il s'agit d'un Navigo Easy, qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Ok. Donc, lire un autre passe. On procède de la même façon. Mettre comme ça. Alors, là, dedans, il n'y a rien. Donc, si j'ai envie d'acheter, j'ai la possibilité d'acheter, carnet d'étiquet, T+, ticket T+, 1,90€. Un carnet tarif réduit, etc. Donc, il y a jour, ticket Orlibus, Roissybus, etc., etc. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin de recharger forfait Navigo, par exemple, semaine, vous cliquez acheter, continue. Alors, là, ici, vous avez la possibilité de changer le moyen de paiement. Soit vous payez directement avec Apple Pay ou carte bancaire. Hein, donc, carte bancaire, vous pouvez saisir autre chose. Ici, renseignez votre adresse mail pour recevoir un justificatif d'achat pour que vous puissiez envoyer à votre comment dire, à votre employeur. Dans le cas de carte bancaire, il va demander saisir le numéro de votre carte, votre nom, prénom, la date d'expiration. Voilà, toutes ces informations-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci.